La semaine prochaine dans Sainte Dynamite, vous retrouverez vos héros préférés. Oui. Chibouf, Batman et tous les amis de Denver. Ah, ouais. Et vous savez aussi que samedi prochain, on sera déjà en décembre. Le meilleur mois de l'année pour rêver aux cadeaux de fin d'année. Alors, Denver et moi, on s'est dit que ce serait bien si nous commencions à faire le tri de nos jouets. Mais seulement ceux qui sont en bon état et dont on ne se sert plus. Oui. Vous ne croyez pas qu'on pourrait les donner ? Bien sûr. Alors vous y pensez cette semaine et on en reparlera samedi prochain. Bonne nuit les petits. Eh oui, Randa vient de vous le dire, samedi nuit, c'est fini pour aujourd'hui. Pas de panique, dès samedi prochain, 17h, vous pourrez retrouver Skippy, notre kangourou préféré. Rendez-vous ensuite chez la famille Ours avec Papa Ours, qui sait toujours tout et qui aime le miel par-dessus tout. Boulevard des Toons, des cartoons, des cartons. En vedette, Magia, notre gorille maison. Et les petits Fraggles, des rigolos mignons tout plein. Vous allez les adorer dans Fraggle Rock'n'Roll. À 18h, c'est servi. Un petit génie devient l'enjeu des grandes puissances. De l'espionnage, de l'aventure dans toute l'Europe, l'opération Mozart est lancée. À 18h30, des petits ours, encore des petits ours. Cette fois-ci, ils sont indiens. On les trouve dans la forêt enchantée, autour de leur totem magique. C'est beau, beau, beau! À 19h, on laisse la télé aux parents. Mais on revient à 20h30 pour Denver, le dernier mais le plus adorable dinosaure. 21h, c'est grand, c'est noir, c'est chaud, souris, c'est génial, c'est Batman! Feu d'artifice final à 21h45. Betty Boop en voix de toutes les couleurs. Aujourd'hui, une nouvelle menace guette les maîtres de l'univers. Mais, qu'est-ce que c'est? Je suis Hordak, et ceci est ma horde. Sans or, la fantôme, la répugnante Manténa, et le bestial Krishna. Mais Hordak, souviens-toi, j'étais ton ami. Hordak n'a pas d'ami, en dehors de la horde. Laissez-moi partir. Trop tard. La Horde, les nouveaux personnages des maîtres de l'univers. Super Mario. Super Mario. Super Mario. Dans Super Mario 3 de Nintendo. Oh yeah!
génial. Voilà Disney Parade avec Chocapic. Chocapic, partenaire d'Euro Disney. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la bibliothèque de ce château magnifique ici à Euro Disney. Je dis magnifique, ça me fait tout de suite penser à quelqu'un. Hello, oh. c'est pas gentil. Mal quand même. Oh, c'est j'ai très eu peur gentil. Que tu réagisses pas et que tu trouves ça et tout si, à fait logique. Si, j'ai réagi. Elle a réagi, ça c'est bien. Disney Parade, comme chaque dimanche après-midi, vos photos, nous sommes submergés par des photos vraiment très très originales. C'est pas nous qui les portons jusqu'ici. Hein. Ouais. On est aidé par le facteur, il faut l'avouer. Mais c'est vrai qu'on reçoit énormément de photos, les unes plus drôles que les autres, et c'est très bien. Gaspard est là, bien entendu, tout fou comme d'habitude. Encore que tout fou, mais il nous apprend chaque dimanche. Il vous apprend et nous apprend beaucoup, beaucoup de choses. On ira le rejoindre tout à l'heure. Mais d'abord, le monde merveilleux de Walt Disney. Et là, Dr Anne, explique-nous qu'est-ce qui va se passer avec cette maman. Magnifique docteur. Eh bien, aujourd'hui, on va voir une série qui s'appelle Une maman pour Noël. Oui. C'est une série un petit peu triste parce qu'une petite fille qui s'appelle Jessica Scollum a perdu sa mère à l'âge de 3 ans. Son père ne fait pas attention à elle depuis qu'elle est seule. Mm. Elle n'a pas de frère, elle n'a pas de sœur. Et les fêtes de Noël arrivent dans 15 jours. Alors, elle ne sait pas vraiment quoi demander. Toutes ses copines ont déjà fait leur liste. Elle, ce qu'elle voudrait, c'est simplement une maman pour lui réchauffer le cœur. Alors, on va voir cette série qui s'appelle Une maman pour Noël. C'est pour l'instant la première partie. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je rajoute? J'ai rien à dire. J'ai à faire comme vous, m'asseoir, regarder la série. Et nous nous retrouvons à l'issue de celle-ci. Première partie.